Bon, on est reparti du coup. Des balles. Terrell, tu sais où est Bard? Il doit être dans le labo du fond. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Dans le bureau du fond. C'est vraiment pas le moment. Vraiment pas. Ok. Vecteur cassette. Docteur Bard, vous m'entendez? Je viens vous sortir de là. Ouvrez la porte. Voix non identifiée. Une cassette. Dans un film de SF ou quoi? Bah, du monde ici. Dodo. Tout le sang qu'il a. Une carte. Bon, ça je peux le jeter. Hein.
quoi. Meurs de temps en temps. Si c'est par là. Une safe zone. Balles. J'avais pas vu ça, des balles. Le plan. On va le voir là-bas ailleurs. Avant. Il y a beaucoup trop de sang pour un homme. Code. Note à propos de la cassette. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh le bâtard! Le seul que j'ai tiré dessus.
il me faut une carte. Ok. Ils sont sérieux, ils s'élèvent tous. Reste là, là. Ah merde. Oh, une poignée. La clé. J'ai autant de fleurs que ça. Je vais faire quoi de tout ça, moi? Nice. Quand il reste ça, il va falloir que je passe par une autre fenêtre. J'ai rêvé ou j'ai cru voir un truc passer, moi? C'est... je deviens fou. Ok. Alors, comment je me baisse? Je peux pas me baisser? J'ai une clé mais je ne sais pas d'où. La chambre... À la carotte. Faut comme ça, vu. C'était où que je voulais rentrer tout à l'heure? Que je voulais pas rentrer là. Là-bas. C'est la safe zone.
Elle l'a pas. Il l'a pas, lui. Ah, c'est la clé du vestiaire en fait que j'ai. Il m'a fait peur. J'ai voulu caser, j'ai dit y'a personne qui peut rentrer dedans. Ouais mes couilles. De ce monstre là. J'ai même pas pu partir. Il m'a égorgé direct. Calme-toi. Ok, il n'y avait qu'un. Putain, il y a plein. Prendre ça. Raccourci. Ah, ça s'éclate.
enfer, j'ai trop de vie. J'ai beaucoup trop de vie même. D'où la caisse ? En fait, je crois que c'est pas lui. Je crois que lui, il peut pas passer. C'est la meuf qui peut passer. Oh 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 ! On se calme. Et voilà. Ouvre la porte. Une grenade. Ah, c'est quand même une grenade. Oh, c'est quoi cette carotte? Dangereux ça, non ? Je reconnais. Oh oh, ouvre la porte. Arrête de courir partout. Il va me défoncer. Dans sa gueule. Il met des grosses droites de malade. Ça venin ça. Meurs. Léon, c'est coup de pied, lui c'est les coups de poing. Heureusement qu'il se réveille là, lui. On a la cassette. Pas d'autres balles.
dans le code. Le code, j'aimerais bien le trouver. Note de la direction. En train de me demander si c'est pas dans la pièce justement. M'a pas l'air. Ouais, qu'il restait la meuf. Apparemment, on va revenir avec la meuf. Hein. On verra ça avec la meuf. Ou là-dedans. C'est semblant. Ce serait bizarre. Il vient d'où lui ? Ça va péter. Ça va péter. Objet perdu. Ok, on l'a. 9-3. Il manque un chiffre. Il manque un chiffre. Tu peux pas faire un... Si ? Cadeau. On sont morts ou en blanc? Un petit cacheton là-dedans. On va remonter, défoncer l'autre. On peut se faire plaisir. Hein. On peut se faire plaisir.
Ah ouais, mais je me fais carotte. Avec leur grenade. Lui, c'est bon. On y a été là, je sais même plus. Tiens, là, c'est pas là que je voulais aller. C'est ça? J'ai lu que deux chiffres. Les... ces cadeaux combinés. On est tout bon, hein. On peut aller ramener la cassette. Par contre, la sortie, elle est où? Je vais sauter. Excusez-moi, tout ce que je voulais savoir, c'est ce que ces documents faisaient dans votre bureau. Vous savez à qui vous parlez? Je suis Nathaniel Bard, bon sang! Le meilleur biologiste que vous rencontrerez dans votre misérable carrière d'infirmière à deux balles! Bien sûr que j'ai des relations au placé! Évidemment que l'armée me consulte à propos de projets qui vous dépassent complètement! Alors me faites pas perdre mon temps avec vos questions indiscrètes! Je vous demande pardon, docteur. Vous n'avez pas lu les documents, n'est-ce pas? Non, je les ai détruits à votre demande. Bien. Bien sûr. Si c'est tout, vous pouvez retourner torcher le cul de vos patients. C'est pour ça qu'on vous paye, non? Tu vas pas. Et astiquer mes chaussures. Bien, monsieur. Je suis sûr que vous êtes doué pour astiquer, non? Dégagez. Et dites pas un mot à qui que ce soit. Waouh. Quel enfoiré. Il y va, hein? Quoi là-dedans? Bonjour. Je peux pas tirer. Il va me sauter dessus. Bard. Tyrell, Bard est mort. Il a été abattu. Merde. Et le vaccin? Je cherche. Ouais, ben trouve. Il doit y avoir un ordinateur, non? Là-bas.
le chef du VRC, Nathaniel Bard. 29 septembre, 23h. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrai rétablir mon honneur, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée Virus T. Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. Et ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau, et le reste est stocké sous terre. Mais tous ces enfoirés qui sont aux commandes, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Mais je suis pas stupide. Je sais qu'ils veulent pas que... Ah merde, j'ai une autre place. Attends, je peux jeter ça, bah tant pis. Hein. J'aime pas jeter, mais bon, tant pis, de toute façon. Hein. Nous aussi. Enclure. Je vais prendre la grenade. Mon dos. Tout va s'arranger, Gila. Plus jamais ça, toi. Tyrell, qu'est-ce qui s'est passé? Alerte à tous les citoyens. L'épidémie qui se propage dans toute la ville est désormais incontrôlable. Le 1er octobre, Raccoon City sera totalement détruite par une frappe de missile. Tous les survivants encore présents dans la ville sont priés d'évacuer immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. Alerte à tous les citoyens. Ça nous laisse qu'un jour. Il reste des survivants en ville. Va dire ça à l'oncle Sam. Merde, ils arrivent. Ok, reste là. Je m'en occupe. On occupe. Je ferais mieux de m'équiper. Ils ont l'air sacrément nombreux. Ouais, je devrais m'équiper. Oh, ça va, j'ai des balles. Soigner.
pas sauvegarder. Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. Moins il y a de points d'entrée, mieux c'est. Comment tu comptes t'y prendre ? En piratant le système de sécurité de l'hôpital. Toi, retiens-les pendant ce temps-là. Ça marche. Bon, les grenades, on va les garder pour lui. Je sais pas quoi en faire, ça. Il me restait sûrement des balles. J'ai même pas regardé si on restait à côté. Bouge ta gueule! Allumer la lumière. Putain, j'étais sûr d'avoir fait. Ah mais j'ai appuyé sur F. Ça y est presque. Ah, ma grouille. Abuse des dégage ta gueule. N'importe qui.
l'impression que le zombie t'attrape s'il veut. Hein. Pas toi qui décide, malheureusement. Carlos, la porte est en train de céder. Trop crypté à mon goût. Un enculard. Fonce dedans. Ah ouais, c'est sûr, il me restait des balles tout à l'heure. Oh, il y... Super. Il n'a pas lancé. Allez, lance ça.
Oh putain. Je sais pas si c'est bon. Je le sens pas trop ici. Ah! Ah, c'était pas là. Et je fais quoi là? Vraiment que dans les jeux que tu vois ça. Carlos, est-ce que ça va? Ça va. J'ai connu mieux. Mais au moins c'est fini. J'arrive. Le vaccin a l'air de marcher. Bien. Tu vas quelque part? Peu, ouais. Et tu vas faire quoi? La ville est sur le point d'être pulvérisée. S'il te plaît, appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède. Gagne du temps. Faut toujours qu'il joue au con. Jill. Oh, Dieu merci, t'es vivante. Bonne nouvelle. Tout est fini. La ville est sauvée. Alerte à tous les citoyens. Le missile sera lancé sur Raccoon City dans quelques heures. La charge est suffisante pour éradiquer toute forme de biologique. 1er octobre. Vous ne survivrez pas si vous restez dans la ville. 1er octobre ? Évacuez immédiatement. Je répète, non. Évacuez immédiatement. C'est impossible. Ceci n'est pas un évacuement. C'est quoi cette carotte ? Ah bah voilà. C'est mieux. C'est pour ça qu'elle avait le béret. Oh. J'ai pas beaucoup de balles par contre.
poser. On a tout, c'est bon. Alors, bien dormi ? Tu m'as sauvé la vie. Moi, j'ai fait que dalle. Pour remercier Carlos. Il t'a porté jusqu'ici et t'a soigné. Ce mec est dingue. Où est-ce qu'il est ? Parti au sous-sol. Bardi a stocké le vaccin. Il y a peut-être encore un espoir pour la ville. Il croit quand même pas y arriver tout seul. Je vais aller le rejoindre. Attends, t'as pas vu à la télé ? Ils vont rayer la ville de la carte. J'essaie de contacter quelqu'un, n'importe qui, en mesure d'arrêter ça. Laisse-le faire son job. C'est un pro. Moi aussi. Moi aussi, je suis un pro. J'arriverai pas à te dissuader. L'entrepôt se trouve sous nos pieds, en dessous de cet hôpital. J'ai perdu contact avec Carlos. Attends-toi au pire. Rien à récupérer. À tout prix, Carlos. Déjà. Bon, c'est la suite ça ou... pas y aller tout de suite. On va retourner en haut. Je sais pas si c'est la suite. Je récupère ça au moins. Hier, j'avais pas plus de place que ça. Ça, c'est l'œuvre de Nikolai. Tu vas passer là.
Ça lui a rinfé les deux grenades. C'est sûr. Je ne sais plus s'il restait un truc en haut. Il restait un truc à ouvrir. S'il n'y avait rien d'autre. Putain, je l'ai eu au dernier moment. Comme ça, c'est nul que tu peux pas esquiver quand il t'attrape, quoi. Après c'est un lion mais... Mettez-le un couteau alors. Pas se blesser. Si on est bon. Je dois pouvoir passer. Là que tu sautes. Poisson. Il nous reste encore des trucs, je ne sais plus. Déjà ça sera pas mal. Magnum, ça m'arrange pas. Non, ça servira à rien. Comment je peux faire là? Ça. Parfait. Pour coller des migraines. Genre passe comment déjà? Yeah.
Je dois aller où là? Pas sûr que c'était par là. Non. Merde. J'ai un peu oublié lui. Excuse-toi. Comment ça se fait qu'il m'a touché? Oh là là, ils font chier. Que leur inventaire éclataxe. Je peux le mettre dans mon arme, non? Comment ça se fait que personne à l'hôpital n'ait remarqué tout ça? Non, pour rien à passer là. Une safe zone. Ah, une sacoche. Ça, ça fait plaisir. Je vais déposer ça plutôt. On va prendre ça. Il m'a convaincu. Ah, fermé, ok.
me dit quelque chose ici. Il doit pas se passer un truc. Ah ouais. Je dois l'avouer, ta ténacité force le respect. Trois fusibles. Mais j'ai bien peur que la partie s'achève ici. Tu penses que c'est fini ? Un autre là. Va se coucher toi. Sac. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Elle a pas peur que ça lâche, hein. Ça lave pas ici. Ok, raccourci. Ça c'est le dernier fusible. Nous on va aller chercher l'autre. Allez.
Alors, je viens d'où, moi? Là, j'ai traversé ça. Là, je remonte, quoi. Non, mais apparemment, on est obligé de passer par là, je suis pas sûr. J'ai l'impression que j'en ai oublié un. Oh l'enculé! Les combiner, je peux rien faire. M'en reste un. Putain, je crois que j'ai pas actionné. Attends, je peux l'actionner là? Ça va pas s'ouvrir ça? On va vite se dépêcher. Et voilà. On va se garder les balles. Allez, arrête d'avoir peur, avance. Et sauf. Nickel. Du coup, on va s'arrêter là.